Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui vais ouvrir le vlog du jour parce qu'en fait tout le monde dort et qu'on est dimanche. Là je vous prends, il est 7h15, quelque chose comme ça. Parce que j'étais persuadé que Noah avait un anniversaire en fait. Et il s'avère que notre petite Jade m'a entendu me lever, donc elle s'est levée directement comme une petite souris. Et quand je lui ai demandé si c'était aujourd'hui, elle m'a dit que non, il l'avait fait dimanche dernier avec leur maman. Je pense que notre petit Noah aussi va bien traîner dans le lit parce qu'ils étaient bien bien fatigués. Et Charlotte aussi, et la cousine aussi. Puis voilà, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire, c'est dimanche. Certainement comme tout le monde. Nettoyer la voiture, faire un peu de ménage, faire les devoirs. Ah oui, je vais vous montrer. Regardez-moi ce jardin de merde. Je dis de merde hein, parce que c'est vrai, hein. Franchement, faut être logique. J'ai pas la main verte, Charlotte non plus. Si vous avez des conseils, on est preneurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 10h15, ça fait pas très très longtemps que je suis levée. C'est Samy qui vous a ouvert le vlog ce matin. Là, il est en train de faire les devoirs de Noah et moi je vais descendre pour aller faire les devoirs de Jade. Et après, on vous reprend tout au long de la journée comme d'habitude. C'est à partir de là. Ouais, mais ça, hier, vous l'avez, tu l'as pas fait. Ah. C'est sur le son avec que t'as fait avec papa. Moi? Oui. Deux parfums. Top là. Parfait. Je vais aller jouer avec mes copains. Oui. Mmh. Papa, il a signé ton truc de comportement? Non. Ok. Là, attends, tu m'as dit d'y couper un petit peu la mèche? Oui, non, elle est là. Attends, il faut bien l'égaliser. Une petite coupe à ta poupée? Oui. Elle est chez Jean Vallon? Oui, parce que. Oui. Avant, elle avait ses cheveux comme ça. Ah, c'était un peu trop mal dégradé. Ouais, oui. Franchement. Bon, un petit peu mieux, hein, non? Ça te va? Oui. C'est pas mal. À celle-là maintenant. Tu rigoles pas avec moi? Merci. Il y a des millions là-dedans. Et toi? Bah rien, c'est très bien. Moi je vais manger un petit croissant. Hein. T'en as pas mangé toi? Personne n'en a mangé. Si? Je crois que c'est pas les croissants. Personne en a. Hommage parce que là aussi, hein, t'as des millions d'euros là. Hein. Ouais. Comment vous nettoyez votre voiture, monsieur, pour qu'elle soit si propre? C'est un mélange qu'une copine nous a dit de faire, Roxy. Mmh. C'est simplement de l'eau avec deux cuillères à soupe de vinaigre. Mais ça sent pas, hein? Bah non, ça sent pas. Ça sent pas le vinaigre blanc? Ça sent pas, et puis ça décape bien le plastique, le cuir, c'est pas gênant. Ça nettoie vachement bien. Franchement, c'est top. Qui? Le petit copain. Quel copain? Le petit copain. À qui? À qui les petits copains? Les petits copains à la vidéo, là? Bah ils sont chez eux, à leur maison. C'est pas... Je sais oh, pas. Il y a longtemps. Franchement, j'ai presque pas vlogué aujourd'hui parce que... Depuis ce matin, on fait rien. On n'a rien fait. Mais rien. Du moins, j'ai nettoyé la voiture. Moi, j'ai fait à manger. Si, elle a fait à manger. Oui, mais rien d'intéressant. Ouais, on n'a rien fait d'intéressant, quoi. Donc, du coup, là, on vous reprend. C'est 3h30 de l'après-midi. 3h30, on va aller se balader. On va peut-être aller manger une glace ou quoi. Mais il fait encore super chaud. Non. Franchement, c'est 32 affreux. 32,5. Vous allez dire qu'on fait que se plaindre, mais il fait 32,5. C'est ouf. Bon, alors, vous allez même croire que je passe ma vie en débardeur. Du coup, je me suis forcé à mettre un t-shirt. Mais il fait tellement chaud que ouais, soit je suis en débardeur, soit je suis torse nu à la maison, il fait trop chaud. Je suis fatigué. Ouais, ouais. Non, ça fatigue et tout. Chaleur, franchement, là, c'est épuisant. C'est épuisant. Même les enfants sont fatigués. Regardez-le, le beau là. Et il va où celui-ci? Hein? Tu vas à la plage? Avec tes lunettes qui écrasent tes oreilles là. T'as une oreille, elle est toute pliée là. L'autre, celle-ci, ouais. C'est la casquette. T'as mis la mienne en plus. Mais non, c'est toi qui m'as prêté. Ouais, c'est moi qui te l'ai prêté. Prêté. Et voilà celle-ci.
qui a toujours sa grosse dent qui bouge, tu vois. Là, je l'entends. Ce soir, je vais te l'enlever. Hein? Je vais avoir un billet de 500 euros. Bon. De quoi? Je vais avoir un billet de 500 euros. Ouais, ok. 500 euros. Tu peux enlever 2 euros. Et puis moi, j'ai envie que tu me l'enlèves ce soir. Ouais, je vais te l'enlever ce soir. Comment on va faire? Je sais pas. Non, pas accroché à la porte. Avec mes doigts? Oui. Tu préfères que je l'enlève avec ma main? Oui. Bah, you make. Fais voir, Noah. Noah, il veut passer incognito. Là, tu passes incognito comme ça. Oui. Incognito, ça veut dire que tu veux pas qu'on te reconnaisse. Tu veux pas qu'on te reconnaisse. Tu veux pas que si on croise quelqu'un de ta classe, il sache que c'est toi. Mais là, on te reconnaît pas. Donc, t'as mis des lunettes, t'as mis une casquette. Bon, moi j'espérais manger une bonne glace. On est fermé. Et mon glacier il est fermé, je suis dégoûté. Par contre, ils ont droit. On prend un petit pot, ça va. Un petit pot. Non, j'en veux pas, merci. Noah, elle est bonne ta glace? Attention, attention à pas te tâcher. Attention, hein, le spécialiste. Allez, en direct. Non, c'est bon. Je vais nicher. Ouais, donc voilà, donc on reste à l'ombre parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment du soleil quoi. Il y a même des gens à la plage, il y a des gens qui se baignent. Il y a beaucoup de monde sur la plage, hein? Franchement, ouais, il y a du monde. Il y a du monde, ouais, ouais. Donc on va rester un petit peu à l'ombre, on va se balader un petit peu peut-être. Puis après, après on rentrera à la maison, tranquillou. Ça c'est juste pour les garçons. C'est quoi? Ça c'est pour les filles, c'est un jeu de collier. Ouais, il y en a beaucoup, hein, Jeanne. J'aime. 2 euros les 3. 2 euros les 3. 2 euros les 3. Jade, regarde, ils sont jolis là. Tu peux en prendre ça. Tu vas où, ma vieille? Tu es prête? Tu fais ça. Tu la tiens fort. C'est toi qui le fais, tu vas rien sentir. Tu la tiens fort et hop! T'as vu comment elle tourne là? Ouais. Là on est bien. On est plus ouais. Attends! Carré! On va avoir une lune. Voilà. Là tu fais. Vas-y. Droite. Esquive. Gauche. Mais il faut garder la main là. Ok? La maison, on a été, on vous a laissé à la plage, je crois. On a dû faire un petit tour, on a mangé une glace, tout. Samy est en train de doucher les enfants en haut, c'est ça que vous devez entendre. Je suis en train de leur préparer à manger. Il est 7h15, je crois, donc ils vont manger et puis ça va être l'heure d'aller au dodo parce qu'il y a école demain. Nous mangerons un peu plus tard parce que j'ai pas faim du tout. Donc voilà, on a vraiment rien fait de spécial. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la recette des mozzarella sticks qu'on a fait sur qu'on a mis sur Insta. Et ben en fait c'est tout simplement, on a acheté un bloc, vous savez les blocs de mozza, pas les boules, les blocs en dur qu'on a coupé en lamelles. On a fait de la chapelure, on les a fait revenir dans une friteuse tout simplement, mais on a vraiment rien fait de spécial. Vous avez juste besoin donc de chapelure, d'un bloc de mozza et 2 œufs, vous savez, pour coller la chapelure, c'est tout. Moi je vais continuer du coup de leur faire à manger et puis on vous reprendra un petit peu plus tard. On vous retrouve en direct du canapé. Comme franchement aujourd'hui, on a fait que ça. Ça vous dit on fait un Mikado? Un quoi? Un Mikado. Ça fait 6 mois qu'on a le Mikado, là il est neuf, on n'y a pas touché. Ouais, alors on va faire un Mikado. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Allez, vas-y, bah commence. C'est moi qui commence? Ouais. Regarde la fin. Arrête.
Et là, ça va être simple, sérieux. Je suis désolée. Prends le plus simple quand même. Hein. Sur cette victoire écrasante au Mikado. Écrasante, écrasante. J'offre mon thé. Qui veut un thé? Moi. Moi. Marrakech. Toi aussi? Ouais, pareil. Ce sont thé, c'est thé au citron, c'est dégueulasse. Le collier que j'ai autour du cou, c'est Jade qui me l'a donné. Et Samy, il voulait vous dire quelque chose. De quoi? Bah, t'as mes aventures sur Instagram. Ah ouais. Hein? Il s'est fait traiter de sale arabe. Tu renies ta religion? Hein? Tu ouais. Avec une française? Non, ouais. Il s'est fait traiter de sale arabe qui vivait avec une française. Et lui, c'est un arabe, donc du coup, c'est pas bien parce qu'il a des tatouages. Et puis il mange du porc. Mais je ne sais pas où cette personne a vu qu'il mangeait du porc déjà. Oui, j'ai des tatouages. Oui, il a des tatouages. Et oui, mon père est. Et oui, et son père est. Non, mais sans parler de ça, voilà. Tu peux être arabe et pas être musulman. C'est chacun fait comme il veut en fait. Mais surtout que son père est marocain et sa mère est française, comme je vous avais expliqué. Donc voilà quoi. Enfin bref, c'est juste la méchanceté des gens encore et encore quoi. Ça nous a fait plus rire qu'autre chose en fait. Non, mais on s'est dit, ça y est, le premier commentaire méchant. Vous avez vu mon beau collier à moi? J'ai le droit de porter ça si je suis un peu arabe? Un collier comme ça? Non? Non, surtout que honnêtement, on reçoit tellement de bons messages que j'en ai rien à foutre vraiment de ceux qui prendront le temps de m'envoyer un message. Soit pour m'insulter ou pour critiquer, très franchement... ça nous passe vraiment au-dessus. On en a vraiment rien à foutre. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à nous envoyer des messages super sympas. Ouais, non, donc on s'en fout un petit peu, ma foi. S'il y en a qui aiment bien perdre leur temps à faire ça. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser. Ouais. Parce qu'on va boire un petit thé tranquille. On va boire un petit thé. On va bosser le ouais. Thé. Le thé, bah, c'est le thé de Marrakech, ouais. Tiens. Le thé qu'on prend, c'est lui, la boîte. Oui. Celui-là, et franchement, il est super bon. Il est sucré juste ce qu'il faut. Il est super bon. Donc nous, on va se prendre notre petit thé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.